Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Monaco 2006 sur le circuit de Monte Carlo. Et on va lancer du coup la séance de qualification. Alors j'avais fait des temps assez corrects en essai. Donc on va voir du coup les qualifications, comment ça va se passer. On va passer la séance. Bienvenue à Monte-Carlo pour l'heure de qualification du samedi. La première séance va commencer dans les rues sinueuses de la. Je vais déjà voir les réglages de voiture quand même, ce que je garde ou pas. Les ailerons sont assez hauts, ça me paraît logique. Hauteur de caisse, on va la laisser comme ça. Vitesse, accélération, ça c'est bon. Je veux du grip hein, par contre. Ok. Et on va mettre. Ah non, il pleut, sans déconner. Ah, il pleut quoi. Bon, bah vu qu'il pleut, je vais tenter la pluie. Hein, pour une fois. On va pas prendre les pneus intermédiaires. On va faire quitter garage. J'en ai rien à faire cette fois-ci. Je prends pas les intermédiaires. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je n'ai aucune chance sous la pluie. Vous l'avez vu. Je sais plus où que c'était à Imola. C'est totalement improbable de faire quoi que ce soit sous la pluie. En tout cas, en niveau difficile. Bon, évidemment, la Super Aguri. Mais tu vas me faire chier longtemps, la Super Aguri. Oh! Putain, mais c'est pas possible! Heureusement que j'ai fait qu'un tour, même pas un tour. Allez, c'est parti. Évidemment, je sors juste devant derrière une autre voiture. Alors, je pense que j'aurais pas forcément une grande vitesse de pointe par contre. A voir par contre si j'ai du grip. Enfin, j'en ai aucun. Je n'ai vraiment aucun grip. Après, faut que les pneus chauffent aussi. Pour l'instant, ils sont chauds que derrière. Putain, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Les pilotes bouclant actuellement Juan Pablo Montoya. Bon, allez, on va prendre l'intermédiaire parce que de toute façon, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais quel y a de merde, sans déconner! Pfff, quittez le garage. Il me reste 3 minutes, 4 minutes. Ça va me laisser le temps de faire un tour seulement chronométré. Je vais passer par là cette fois-ci, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure solution. Voilà, c'est parti. On va quand même un peu plus vite avec les intermédiaires, ça me paraît logique, mais bon. Et on reste qu'en grip, on voit mieux c'est mieux ou pas. Ouais, bah on a autant de grip en intermédiaire qu'en pluie, du coup ça on le saura. À part peut-être quand c'est vraiment la mousson. Voilà, du mal à tourner. Hein. Elle a du mal à tourner. Ah, peut-être que les vibreurs vont être beaucoup plus glissants aussi, il faut vraiment que je fasse gaffe. Là, on est sur le sec, c'est logique, on est dans le tunnel. L'avantage, c'est qu'on a la piste dégagée devant nous au niveau des projections. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut faire gaffe, il y a une petite bosse à la sortie. Felipe Massa termine un tour rapide. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Voilà un temps qui devrait marquer. Ah bah la Ferrari, à quelle vitesse elle est déjà revenue quoi. C'est totalement indécent. Et en plus elle va m'empêcher de faire mon tour à tous les coups, vous allez voir. Voilà, elle est déjà en train de me taper. C'est magnifique.
Oh, j'avais un con qui était bloqué sur le... Je crois que j'avais un con qui bloquait l'accélération sur le train arrière, ça, c'est assez bizarre. Kimi Raikkonen termine son tour. Il sera furieux de ce chrono. Je glisse un peu. Allez, je vais finir enfin un tour chronométré. Par contre, je suis en 1.20. Faut garder 1.22. 1.23. Christian Albers réalise un nouveau temps. Ouais, j'ai aucune probabilité de réussir quoi que ce soit. Allez, c'est pas grave, on a fait le dernier temps, et en plus on l'a fait avec 5 secondes de retard. Autant vous dire que la pluie, c'est même pas la peine d'en parler dans le jeu. On ne fera jamais rien du tout. C'est un peu comme Formule 97 finalement. C'est-à-dire que si on n'est pas à Monaco, on a quasiment zéro chance de faire quoi que ce soit. Le jeu est totalement impossible. Et c'est même pas de mauvaise volonté, parce que même si j'avais fait un tour bien, j'aurais fait combien? J'aurais fait 3 secondes de mieux, j'aurais fait 2 secondes de retard sur Sato, et je serais parti dernier quand même. Bon, ça c'est pas grave. On va faire quitter la séance, de toute façon, c'était prévisible. On va avancer un peu, on va faire quitter la séance à nouveau. Voilà, et on va voir la qualification rapidement. De toute façon, il faut savoir qu'il y a 20% de chances que je finisse la course, hein. Déjà. Allez, c'est parti. Alors par contre, au niveau de la course, je sais pas ce que j'aurai comme pneu, comme temps. Où les pilotes les plus rapides du monde viennent côtoyer la Jet Set, la crème de la crème. Le Grand Prix de Monaco est la course la plus célèbre et la plus glamour du championnat de Formule 1. C'est en 1929 que cette petite principauté a accueilli un Grand Prix pour la première fois avant les débuts du championnat du monde officiel. Les véhicules de Formule 1 ont grandi plus vite que les rues serrées de Monaco, mais il est toujours étonnant de voir les meilleurs pilotes au monde se battre pour se frayer un chemin. Dans cette course, il est capital de bien se positionner au départ, car le tracé étroit du circuit rend tout dépassement difficile. Kimi Raikkonen en pole. Bah tiens, il avait fait deuxième devant Alonso, mais il avait abandonné sous problème mécanique en 2006. Et il y avait aussi Weber, je crois, qui était bien classé, mais il avait abandonné. Je crois qu'il était quatrième, troisième du coup, et qui avait abandonné sous problème mécanique ainsi. C'est la seule chose qui m'a marqué d'ailleurs de ce Grand Prix en 2006. Allez, c'est parti. Bon, bah de toute façon, on va essayer. Là, on est sur le sec, donc on a un peu plus de chance, on va dire, mais bon. À voir. La course a commencé. Doucement tant que les pneus sont bleus. Moins d'adhérence. Ils vont bientôt chauffer et passer au rouge. Ils abordent le premier virage. Oh là, attention. Oh non, non, non. Ah, c'est bon, déjà je suis bloqué encore. Bon, c'est pas grave. Oh, il y a déjà un abandon. Il y a une Ferrari qui est dans le. Ouais, qui s'est plantée. Bon là, la seule chose à faire, ça va être de rester devant les voitures qui vont nous harceler pendant je sais pas combien de tours. Ça rappelle la F1 97 cette histoire. Ouh la vache, je suis tellement rapproché de la STR. Attention au freinage, hein. Par contre après j'ai tendance à freiner vraiment tard. Oh, j'ai fait péter un plot aussi. J'ai de l'essence, hein, donc je fasse gaffe. Alors je peux couper légèrement à l'intérieur de la chicane, celle-là. Mais bon, c'est quand même compliqué à faire tous les tours. Alors j'ai beaucoup d'ailerons, donc en ligne droite, aller chercher les autres voitures, ça va être difficile. Ouais, un gros freinage. Je tendance à freiner trop tard. Pff, ah ouais, je me suis dit que j'y vais pas, mais il est resté à l'intérieur. Il peut se passer des choses aussi hein, sur le circuit. C'est un circuit très piégeux. Regardez. On a de l'huile déjà sur la piste, je sais pas à quel endroit.
Je sais pas où est la pluie. Oh la vache. J'ai vraiment. Je sais pas où t'es la trace. Du coup, j'ai pas insisté. J'ai vraiment calmé le jeu derrière. Et du coup, on est 16e. On en est au 3e tour de la course et Raikkonen est devant. 2e, Fernando Alonso. En 3e, Juan Pablo Montoya. Barrichello, 4e. Felipe Massa. Ah, les McLaren qui sont premiers et 3e, mine de rien. C'est plutôt un bon résultat. Enfin, c'est un coup par à l'époque. Attention! Putain, il y a de merde! Mais c'est pas vrai! Ah mais putain, mais c'est quoi cette IA de merde qui te sort tout le temps? Mais je peux rien faire quoi, putain. Putain que c'est pénible. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible. Oh là là, on était bien, là on était à peu près stabilisé, on avait un chrono correct. Et voilà, quand c'est pas moi, c'est l'IA. Génial. Franchement, je sais pas quoi dire là. Du coup, victoire de Raikkonen devant Alonso Barrichello. Bah, au moins Raikkonen aura une victoire. Trulli 5ème, Coulthard 6, 7ème Rachumin, 8ème Heidfeld. Deux Williams qui sont hors des points à un tour. Il y a quand même 5 pilotes non classés. Alors, Schumacher, on l'avait dépassé. Button, on l'avait dépassé. Il y aura des Montoya, Fisichella, abandon. Potentiellement, si on avait en tout cas fini la course. On aurait peut-être pu finir dans le top 10, dans le top 12. Mais comme l'IA en a décidé autrement, voilà. Bon, allons-y en tête du championnat. 56, Massa 48. J'avais pas le temps de la suite, tant pis. La Coulthard qui monte au 11e rang. Et j'ai peur qu'au classement. Il est 17e, voilà. Et regardez le championnat constructeur, du coup. On perd une position, Aguri est 9e et on est dernier. Et il va falloir faire mieux que 12e pour reprendre la tête, en tout cas du 9, 10, 11. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Qu'est-ce que je vous dise, franchement. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire rendez-vous en Angleterre pour une fois de plus tenter de peut-être finir une course. Ça jamais, sur un malentendu. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.